Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Ce sera une nouvelle vidéo Vic Grenier Live. Donc aujourd'hui, il est 11h du matin, je suis parti un peu tôt. Enfin tôt pour moi, en fait, parce que la brocante à Gif-sur-Yvette va commencer à 13h. Donc j'aurai le temps de prendre les bus, tout ça. Prendre le RER jusqu'à Guichet et puis prendre le bus. Et puis bien sûr, me prendre à manger en passant au Guichet. Prendre quelque chose à manger. Et puis voilà. Donc voilà, vous voyez pas ma copine parce qu'elle est avec sa famille chez elle. Donc je me suis dit, je vais pas l'embêter. Et puis vous la verrez de toute façon dans un compte rendu, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez envie de la voir. Donc dès qu'il y aura le compte rendu, à la fin de la vidéo, eh ben vous la verrez. Voilà, et puis elle m'aidera à me présenter les jeux ou je sais pas ce que je vais acheter. Donc voilà, aujourd'hui on va aller à Gif et on va voir ce qu'on va trouver. J'espère pouvoir vous mettre des images en espérant. J'espère qu'il y aura des jeux. J'espère retrouver la PS2 que j'ai vue la dernière fois. En espérant que la dame elle y aille, elle sera ou pas, on verra bien. Souvent il n'y a pas les mêmes exposants, alors on verra bien. Donc prions qu'il y aura des choses. Bah, sinon ça sera le fail de la vidéo. Voilà. Allez, à tout de suite après l'intro les amis. Voilà, j'ai pas fait gaffe hier, dans samedi, j'ai pas regardé dans l'annonce. Et en fait, depuis vendredi, il y avait les pancartes qui disaient annoncer qu'il allait avoir des vide-greniers dans le parking. Et malheureusement, quand j'ai pris le bus, j'ai dit merde, il n'y a pas de pancarte, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis après, j'ai regardé dans l'annonce et en fait, il y avait marqué Aluné. Voilà, les amis, il n'y a pas de vide-grenier, les amis. Je suis dégoûté. Voilà, voilà, les amis. Donc, je me suis contenté d'aller à Intermarché et je me suis pris un jeu vidéo. Voilà. Bon, j'ai mis le prix, mais bon, je me suis dit que je voulais le prendre, je vous montrerai après en montage. Donc voilà, je ne ferai pas avec Fanny, je suis désolé. Je voulais vraiment vous faire un compte-rendu avec Fanny, mais malheureusement, il n'y en aura pas. Voilà, les amis, je suis désolé. Mais pour la brocante, pour la dernière brocante du mois de août, je voulais au moins en profiter. Donc je mettrai dans le titre le vide-grenier du fake. Voilà, ça sera le titre de ma vidéo, il n'y aura pas vide-grenier comme je fais d'habitude en titre, et là ça sera carrément le vide-grenier du fake. Voilà les amis, donc je vais vous faire un micro compte-rendu d'un jeu vidéo que je viens de rentrer. Ça sera, histoire que je vous fais quand même une petite vidéo dimanche quand même les amis. Mais je suis trop déçu quand je suis arrivé, j'ai dit non, je suis dégoûté, je voulais quand même attendre. Mais quand je vois le parking, je me dis c'est mort. Il n'y aura pas de vide-grenier, c'était certain. Mais je voulais quand même tenter et je me suis dit, il y avait un Intermarché, il était encore ouvert. Je vais voir si je trouve du jeu vidéo et puis j'en ai quand même trouvé. J'ai pris un jeu de Switch. Voilà, ça me fait même plaisir, vous allez voir. Donc je vais aller manger, je vais me poser, manger et après je vais rentrer. Allez, à tout de suite les amis. Re les amis, donc voilà. Vide-grenier de la loose, vous allez, voilà, je vais vous faire une super miniature, vous allez voir. Voilà, donc je suis vraiment dégoûté, j'ai pas prévu ça, je pensais que... J'ai enlevé mon masque. Je pensais pas qu'on allait avoir un vide-grenier où il n'y en aurait pas. Alors, pendant une semaine, j'avais trop hâte de pouvoir faire cette brocante. En plus, j'avais eu 60€ sur moi et tout. J'avais un budget avant que j'aie ma paye et tout, donc j'étais... Voilà, j'étais content quoi. Malheureusement, bah pas de vide-grenier les amis. Voilà. Mais c'est pas grave les amis, j'ai quand même acheté un petit quelque chose dans la place Intermarché. Donc j'ai perdu le ticket de caisse, mais bon, c'est pas grave. Donc j'étais à Intermarché dans le Perkin. Il était ouvert pour un dimanche, donc c'est cool. Bon moi j'ai regardé, il y avait un rayon de jeux vidéo Switch. J'ai regardé comme ça. J'ai dit allez vas-y, on se fait plaisir. En plus, je vais avoir ma paye la semaine prochaine. Autant prendre un petit jeu de Switch. Pour une fois, je vous fais rentrer un jeu vidéo récent. C'est pas tous les jours que je vous en rentre. La dernière fois que j'en ai rentré, c'était dans une brocante. Donc voilà, ça fait un petit moment quoi. Voilà, donc les amis, je vais vous montrer mon petit jeu que j'ai rentré. J'ai fait un petit craquage. Il était à 51€ quand même. 30€. 51 et 30 centimes. En tout neuf, donc voilà, je voulais le prendre, je me suis dit allez on va le prendre, allez c'est parti, on va le prendre pour la collection. Voilà,
Je vais pas vous faire attendre. Je me suis pris le petit Monster Hunter sur la Switch, les amis. Voilà. Donc je suis hyper content parce que celui-là, je le voulais pour le full set Monster Hunter. Forcément, je veux tous les avoir. Je sais que le 4, il faudra que je le retrouve en boîte. Je l'ai en loose, malheureusement. Donc voilà, il manquera vraiment celui-là. Et puis sur la Wii aussi, il faudra quand même que je les chope. Les versions Wii, même si j'ai pas la Wii, c'est juste pour le full set. Voilà, donc j'ai le Monster Hunter Reside. Donc c'est un jeu, j'ai entendu parler de bien ce jeu-là. Récemment, il y a eu des Monster Hunter, mais c'est rien à voir avec ce genre de jeu. C'est vraiment un autre type de jeu, Monster Hunter, mais là, c'est mon type que je préfère. Où tu crées ton personnage, tu cherches son monstre. Et la nouveauté dans celui-là, apparemment, j'essaierai de vous mettre un gameplay, je vais essayer de vous faire ça. Voilà, avec un animal, vous voyez, un petit animal sur la jaquette. Donc en fait, vous allez carrément avoir un compagnon, même s'il y a les chats quand même, il y a quand même les palicots, je crois. Et ça, c'est cool parce que les palicots, bah, ça change les palicots. Et vous allez carrément avoir un animal vraiment dans le jeu, quoi. Donc, c'est génial. Et apparemment, vous pourrez vous-même vous déplacer. Et ça, c'est génial, ça va être une nouveauté. Graphiquement, franchement, j'ai vu qu'il est excellent. Je voulais pas regarder plus, je voulais pas me faire spoiler parce que c'est un jeu que je voulais découvrir sans regarder des gameplays. Et je me suis dit, allez, on le prend. Et en plus, je voulais pas venir les mains vides, ça serait vraiment dommage. Allez, en plus, j'avais l'argent, je me dis, allez, je vais me faire plaisir. En plus, j'avais le budget en plus pour ça, pour acheter des jeux, mais bon. Voilà, donc j'ai pris Monster Hunter Reside, le jeu par Capcom. Donc il me manquait celui-là sur la Switch, je suis hyper content. C'est le bonheur. Moi, j'achèterai peut-être les autres Monster Hunter, mais pas pour tout de suite parce que je voudrais préférer attendre qu'il baisse le prix. Mais celui-là, pour mettre le prix, je lui dis pas non. Allez, on fait un petit craquage, on se fait plaisir. Allez, pour une fois, je me prends un jeu à peu près un prix élevé. Et puis voilà, même si c'est un seul article que je me suis pris pour cette vidéo, voilà, histoire de conclure la vidéo avec en beauté quand même. Donc, je suis hâte de le tâter, je vais me le tâter. Et j'ai trop hâte, les amis, de me le faire quoi. Voilà, je suis trop content. Voilà, je me suis dit, il y avait quand même du jeu vidéo. Il y avait de la Switch, j'ai regardé ce qu'il y avait. Il y avait du Mario, je crois. Il y avait des Mario, hein. Il y avait du Mario Bros 2. Et là, j'ai vu le Monster Hunter. Il était à 51€. En général, je crois il doit coûter dans les 60, je dirais. Et après, il est moins cher dans les sites internet. Mais bon, je m'en fiche. Je me suis fait plaisir, je le voulais. Alors voilà, c'était le moment de le prendre. Je vous montre l'arrière. Voilà, ça ressemble à ça, l'arrière, les amis. Voilà, vous incarnez. Et apparemment, vous pouvez être libre, faire ce que vous voulez. Et moi, j'adore ça. J'adore tout ce qui est RPG. Vraiment, les types d'RPG que j'adore. Voilà, les amis. Donc, ce petit compte-rendu rapide. Franchement, je suis vraiment désolé pour ce vide-grenier du fail, quoi. Je suis vraiment déçu, quand même. Bon, heureusement, ma copine, elle n'est pas venue, heureusement. Voilà, donc, j'espère quand même la vidéo vous plaira. Donc, la semaine prochaine, normalement, je vais avoir ma paye. Je vais essayer d'aller faire les caches la semaine prochaine. Je vais aller faire un deep cache avec un pote. Donc samedi prochain normalement ou dimanche. J'essaierai d'aller à deep cache à la Verrière. Je vais essayer de faire des super affaires là-bas. Je vais essayer de faire un petit peu d'achat là-bas. Après je sais pas si j'en ferai d'autres parce que après je vais envoyer pas mal de colis. Des colis. Je vais envoyer aussi de l'argent pour des abonnés parce que je vais rentrer des jeux vidéo pour plus tard. Et puis j'attends impatiemment le colis de mon ami là, Snake, j'ai trop hâte là, un gros carton de malade là. Donc il m'a dit qu'il va essayer de l'envoyer dès qu'il pourra, son pote quoi. Donc désolé s'il est un peu en retard, mais vous inquiétez pas, il y a un compte rendu là-dessus en vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même plus. N'hésitez pas à mettre un like quand même. Abonnez-vous, merci les gens j'ai atteint les 1200 abonnés quand même. Merci à vous les amis. On verra si on fera un FAQ, ça pourrait être un sujet FAQ pour changer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un FAQ, donc ça fait peut-être quelques mois maintenant. Donc il est temps de vous en faire un nouveau FAQ. On fera une vidéo annonce carrément pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Abonne-toi.